Aujourd'hui est un grand jour, les amis, parce que je viens tout juste de recevoir un joli cadeau par la poste. On doit découvrir ça ensemble, les amis, oui? Alors, j'ai reçu des jolis paquets de Corsair et nous allons découvrir ensemble ce que la compagnie nous a envoyé. Nous avons tout d'abord un méga PC de fou ultra bien protégé et admirer la beauté de cet ordinateur. Et il y a des équipements incroyables de MSI qui se retrouvent là-dedans, oui? Honnêtement, je ne peux pas détourner mes yeux du Chinois vénéneux, voyons donc. Et je sens que je vais tellement adorer cet ordinateur que ma femme en sera jalouse. Dans la deuxième boîte, nous avons d'autres boîtes qui sont les produits utilisés pour monter cet ordinateur par Corsair. Mais il y a une chose qui n'a pas été installée: leur carte graphique MSI GeForce RTX 4080 Super Expert. Oh mon dieu, j'arrive pas à croire qu'ils m'ont vraiment envoyé ceci. C'est tellement insane. Alors nous allons l'installer tout de suite dans le boîtier et allumons-le pour admirer sa puissance. Oh mon dieu les amis, je viens de remarquer quelque chose de fou. Il y a 10 fans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là 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 là. Ok, ok, les amis, on va arrêter de niaiser. On va allumer l'ordinateur tout de suite pour vrai. Oh mon dieu, les amis, je viens tout juste d'allumer le PC. Et puis regardez-moi cette beauté. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a même une petite vidéo de League of Legends qui se joue là-dessus. Waouh, c'est crazy. Et puis on peut tout customiser ça. Regardez ça, donnez-moi une seconde. J'ai ouvert un petit programme ici, j'ai retrouvé l'icône juste là. Et regardez ça, si j'appuie sur Yellow, le tout est en jaune, voyons donc. Et si j'appuie sur Blue, donnez-moi une seconde, le tout est en bleu. Oh, c'est totalement insane. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais Interstellaire? Donnez-moi une seconde. Interstellaire. Oh my god. Yo, je pourrais pas trop me concentrer sur Fortnite. Je suis plus sur cet ordi, voyons donc. Vous voyez la vidéo qui est là? On va la changer. Donnez-moi une seconde. Regardez ça. J'ai trouvé la section où je peux faire ça. Si je fais ça comme ça, ça va devenir comme ça. Oh my god, on peut customiser le tout. On peut même uploader des images si on veut, je pense. Attendez, si je mets l'image, le logo de Corsair, on voit ça ici aussi. Oh, wow. J'adore trop cet ordi. Merci Corsair, vous êtes les meilleurs, man. Ce que vous venez de voir, ce sont les ventilateurs de la RX RGB Series alimentés par le IQ Link écosystème. J'ai regardé les spécifications de l'ordinateur et c'est complètement fou, man. Tout d'abord, il y a la carte graphique MSI GeForce RTX 4080 Super Expert qui nous permet d'avoir des graphismes de fou grâce au Ray Tracing accéléré et de l'assistance de graphisme alimenté par l'IA. Il y a aussi l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et 16 Go de mémoire G6X super rapide qui aide à tout mettre cela en place. Ensuite, nous avons 32 Go de RAM et un processeur Intel Core i7-14700K, ce qui offre une rapidité extrêmement phénoménale à l'ordinateur pour accomplir des tâches intensives et complexes. No problemo, amigo. En parlant de ce processeur gaming Intel de 14e génération, il offre une performance incroyable aux gamers et Intel a travaillé avec des partenaires de carte mère, de mémoire et de solutions thermiques pour assurer la compatibilité et une performance optimale pour obtenir la meilleure expérience avec ces processeurs de 14e génération. Enfin, nous avons la carte mère MSI Z790 Project Zero qui tient le tout ensemble. Le backconnect design permet de bouger les connecteurs à l'arrière pour offrir un look impeccable à l'avant. La solution Wi-Fi 7 et le 2.5G LAN nous permet d'avoir l'expérience gaming en ligne la plus fluide possible. Et les ports USB 3.2 Gen 2 offrent une vitesse de transmission de 20 Go par seconde, 4 fois plus rapide que la USB 3.2 Gen 1. Et le tout est placé adéquatement dans ce joli boîtier Corsair 6500X. Tout ça va m'aider énormément pour mes projets sur YouTube, ça je vous le garantis à 100%. Il y a tellement de trucs que je pourrais vous dire sur ces composants d'ordinateur, mais on va en rester là. Je vous ai transmis les informations les plus importantes. Maintenant, on va passer à du gameplay pour voir la performance de l'ordinateur en temps réel. J'ai déjà hâte, man. Alright, les amis, on est dans une petite partie en solo là, mais en premier, il faut que je fasse quelque chose. Détruire le bonhomme que j'ai vu juste là. What? Ah, ok, juste là. Pendant un instant, je t'avais perdu. Alors, regardez les graphismes en ce moment. Tous les paramètres sont à low, c'est-à-dire bas. Mais regardez ce qu'on va faire. Regardez bien votre écran, les amis. Gravez ces images dans votre mémoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le tout à épique. Voyons donc, alors ça. Épique, ça. Lumen épique, lumen épique. Distance d'affichage épique, texture épique, effet épique. Je mets vraiment tout à épique. Même le ray tracing est à on, voyons donc. Donc, regardez ça, les amis. Le jeu est super beau. Et l'ordinateur n'a aucun problème à run ce jeu. C'est crazy, man. Je pourrais build comme un fou si je savais build, là, mais regardez. Oh! On n'a aucun problème, les amis. Voyons donc. Et en plus, le jeu est super beau. On va jouer comme ça à partir de maintenant. Honnêtement, les amis, je crois plus que je peux revenir aux paramètres bas. Le jeu est tellement beau comme ça. Mais vous savez quoi? Juste pour le plaisir, on va le faire une dernière fois. Donc, donnez-moi une seconde. On va aller ici. On va mettre 100. Non, non. Proche. Faible, faible. Et ouais, en gros, c'est ça. Alors, le jeu a l'air de ça. C'est totalement différent. Oh mon dieu. Oh my god, your brother. Wouhouhou. Ok. Bye bye. Ok, ouais, bye bye. Oh my goodness. Wow.
Ok, yo, il faut que je remette mes settings à hype parce que là, je veux bien voir le monde. Je veux bien les frapper. Oh mon dieu, laisse-moi tranquille. Non! Tu m'as repéré! Oh my god! Tranquille. Je peux pas tuer ici, j'ai pas mes super settings de fouille, puis j'ai pas. J'ai pas autant de matériel, il reste juste une vie à ce mec là. Iron Boy, pourquoi, man? Ah, là, le jeu est beaucoup plus beau, n'est-ce pas? Et puis, lui là, je vais me venger de lui, c'est pas le même joueur, mais vous avez compris. Et puis, le lobby est super beau aussi. Oh, oh my god, le bus, regardez ça! Regardez-moi l'ombrage, regardez-moi les jolies lumières. Non, pour vrai, là, je peux plus revenir en arrière. Il faut que je joue avec ces paramètres à partir de maintenant. Oh, what the... Et une shot à la face et c'est fini pour ce mec-là. Voyons voir s'il y a d'autres gens ici. Let's do this. Oh, ici. Oh my god, yo, est-ce que mon aim est beaucoup mieux que d'habitude? Est-ce que c'est à cause des graphismes de fou et je vois mieux qu'est-ce qui se passe? I don't know. Oh. Yo, les amis, je one-shot tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour vrai. C'est insane, man. Oh, je vois quelque chose d'intéressant ici. Attendez, c'est qui va se faire tuer? Lui? What the hell? Oh my god, je m'attendais pas à ça. Oh, oh, oh. Non mais pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mon aim est beaucoup mieux que d'habitude. Oh my god. Ok, yo, fallait vraiment que je parle beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je dis que mon aim est bien meilleur, à la fin, je vise comme un fou et je tire dans le vide. Il y avait plus personne dans le raft, alors j'ai pris les équipements de Iron Man, c'est-à-dire ses bottes, et je suis en train de voler partout pour voir s'il y a du monde par-ci par-là, mais pour l'instant, je ne vois rien malheureusement. Non, j'ai plus de power, venez pas sérieux, je vais clocher. Hey, est-ce que cette affaire-là, ça peut faire des bobos? Hein? Attendez, il faut que je teste ça. Attendez, attendez, je me suis jamais caché dans un buisson comme ça avec ces graphismes de fou. Oh my god, yo, on dirait une petite maison. C'est insane pour vrai cette affaire là. Mais bon, on doit aller chercher du monde. Tonto, où êtes-vous les pépitos? Est-ce que vous voyez du monde? Ok, yo, je devrais pas aller là-bas. Yo, y'a quelqu'un qui me tire dessus. On va aller le chercher, donnez-moi une seconde. Et je vais te foncer dessus. Et c'est la fin! Non, non, non! J'ai essayé d'utiliser le flap de tout à l'heure pour lui faire du mal. À la fin, je me suis fait tuer. Oh, what the hell? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces deux-là? Ok, et vous? Oh my god, yo, je comprends plus rien. Ces bots-là, ils sont en train de faire des trucs insane. Oh, je vais passer par... Oh my god! Ok, yo, c'est pire que ce que je pensais. En gros, il y a des trucs qui se passent ici. Où ça? What the hell? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh! J'ai compris, les amis! What? Oh mon dieu! Ça, c'est insane! Wow! Wow! Wouhouhou! Ce bonhomme me chassait depuis un bout, man! Voyons donc, il y a la fâche, lui! Nanananana! Yo, Dr. Doom! Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Oh non, non, non! Si tu me tues ici, là, je vais tellement pleurer! Et là. Yo, j'entends. J'entends quelqu'un. Wow! C'est quoi? C'est correct! Je t'ai détruit! Et là, je sais que l'autre dude là, il m'attend. Il est quelque part. Il veut ma peau. Oh! Yo, attendez une seconde! Non, non, non! T'as pas le droit de m'attaquer! Yo, je suis Tony Boy! Oh my dieu! Yo, tu connais pas mon nom, ça se voit, bro. Ok, attendez. Ma seule façon d'avoir, c'est de le payer. Bon! Attendez! Come on! Eh! Oh, j'ai foiré mon idée! Attendez! C'est pas une bonne chose! Oh oh! Non! Pop! Oh oh oh! Je l'ai eu avant qu'il m'ait eu! Et oh my god, yo! Je vais prendre cette affaire de Tony Boy parce que moi je suis Tony Boy, je sais pas, hein, Dr. Doom, Dr. Fatalis! Vous voyez ce que je veux dire? Oh! J'ai trouvé quelqu'un ici! Attendez! Je m'appelle Iron Man! Je suis Iron Boy! Je voulais tellement faire ça depuis le début. Oh my god, yo, attendez. C'est qui me tire dessus? Où es-tu? Oh my god! Est-ce que je viens de voir? What the hell? Mais c'est Fatalis Boy! Oh, yo, oh, oh non, on doit unir nos forces. T'es prêt? On unit nos forces, ok? Ok, je crois qu'il... Il a pas compris le message! Ah, à moins que c'est un autre dude. Je sais pas là, mais... Oh non. Attends, attends. Non! Attends. Je suis Iron Boy!
Non! Tu ne mourras pas! Chant, chant, chant! Oh, mais c'est pas possible! Blow! Blow! Oh my god! What the hell? Je sais pas comment détruire cela! Je croyais que je l'avais presque détruit, mais il y a plus que 200 vies! Alright, les amis, vous savez ce qu'on va faire? Jouer au nouveau mode de jeu Affolement Fatal, parce que dans ce mode de jeu, il y a tellement d'actions qui se passent, il y a tellement de gens au même endroit. Voyons voir si l'ordinateur va ralentir, voyons voir si elle performe bien. J'ai envie de voir quelles sont les performances de l'ordi. Wow! Ok, attendez une seconde! Je dois voler et faire mon Unirion! Blow! Oh, oh, wow, wow, wow! Yo, voyez, il y a tellement de trucs qui se passent dans ce jeu. Et il y a zéro lag. Il y a rien qui se passe. Yo, je peux très bien bio. Est-ce qu'il y a, tellement d'explosions? Je me suis fait détruire quand même. Je dois vous dire que les performances de l'ordinateur, là, sont impeccables, les amis. Vous avez vu ce aim de fou? Ok, yo, je vous ai dit, à chaque fois que je dis ça, là, à la fin, j'ai pas de aim de fou. Donnez-moi une seconde, je dois remplacer ces affaires-là, comme ça. Oh, c'est Dr. Doom! Oh my god, brother! Oh, mais je m'en vais d'ici! Attendez! Tu veux croire que je vais rester là avec lui? Non way! J'ai réussi à m'enfuir! Excusez-moi, bien, il a essayé de me tirer dessus. Ça va mal, mon affaire. Je vois des trucs intéressants juste là! Oh boy! Damn! Ce gars-là, il bougeait comme un fou! Attends, je vais te griffer! Bra! 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 J'arrête jamais de faire ça. J'arrête de lutter normalement. Oh, what the... Matino! On doit détruire tous les acolytes de Dr. Doom avant que ce ne soit trop tard. Ils ont encore tellement de vie. Regardez ça! Wow! Attends, il y a bientôt plus de vie, bro. Oh! On a eu les amis! J'arrive pas à croire que j'ai survécu à cette assaut de Dr. Doom! Dr. Fatalis! Attendez. Voilà, il faut se guérir, comme ça on peut continuer à faire notre héros, n'est-ce pas? Oh my god! Le Dr. Fatalis est juste là! Non! Oh! On a eu encore une fois, on a détruit deux fois en tout! Bah ok, une fois. La première fois là, j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement là, mais... Ok, ok, j'ai travaillé ici, moi je ne dis pas non à ça. Le bladet. Ah! Ok! Yo, travaille aussi. Yo, c'est nice. T'as eu aussi longtemps que je contribue à l'équipe, n'est-ce pas? Wow! Oh, il allait presque réussir à s'enfuir, le brother. Yo, j'avais peur pendant un instant. Je croyais que c'était des ennemis qui étaient là. Je suis Captain Iron America! Et je vais me protéger des attaques adverses qui ne sont pas là. Oh non! Oh non! Non, non, non! Je vais t'avoir avec ceci! C'est tout ce que je voulais faire! Oh, oh, oh! Maintenant! Je me suis fait stun. Je voulais tellement cosplay en Captain America. Ce n'est pas grave, les amis, parce que je m'appelle War Machine! Oh, attendez. Yo, on a détruit 3 Dr. Doom. C'est insane ce qui se passe ici, les amis, man. Alright, où sont les autres? J'ai envie de me battre encore une fois. Attends. Oh my god, mon aim est bien bon. D'habitude, là, je vise tellement mal. Je vise dans le vide. Mais cette fois-ci, là, j'ai pas de mal à détruire mes ennemis. C'est impressionnant. Oh, attendez. What the... Maintenant. Attends. Wesh. Non, 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 je vais rester en haut, bro. Comment... Oh, il pouvait pas faire quoi que ce soit. C'était tellement hilarant, man. Oh, oh boy. Ah, il bougeait pas comme je voulais, voyons donc. Oh, what the... Ce bonhomme, il a même pas atterri, il s'est fait détruire. Oh my god, attendez. Ah non, non, ça c'est mon poteau, voyons donc. J'étais en train d'attaquer mon poteau, this is not what I want. What the hell? Qu'est-ce que ce gars-là, il est en train de faire? Bah, j'avoue qu'il va pas se faire détruire là, ce n'est pas si grave que ça. Mais bon, attendez, on doit aller là-bas. Je sens que la bataille va se faire ici. Faut juste que j'attende un peu. Hop, hop, hop! Oh my god, où est-ce qu'il va comme ça, le dude? Il peut pas s'enfuir! Je vous jure, ce mode de jeu là est tellement hilarant. Plus il y a plein de trucs qui se passent. Waouh! Ok, yo, ça c'est insane. Attendez. Ah, il est parti de mon champ de vision. Je peux plus l'attaquer. Où es-tu, petite acolyte?
Oh! Ah, ok, je crois que ce bonhomme-là, il a abandonné ou quelque chose, man. Attends, le docteur Fatali s'est défait, restez sur vos gardes-héros, il sera bientôt de retour. Ouais, je sais pas ce qui arrête pas d'utiliser le Dragon Ball là, mais il devrait arrêter, voyons donc. Alors, il reste encore 5 acolytes, et après, on va gagner. Il reste encore un truc là, une relique à aller chercher. Il pourra pas aller le chercher. Je crois que l'ennemi se retrouve. Ici! Let's go! Alors, il reste encore un joueur, mais il reste encore 4 acolytes à aller détruire. Mais je sais pas où ce qui va spawner. J'ai quand même vu une icône de Dr. Fatalis là-bas. On y va? Ça m'amène ici, mais. Wow! Ah! Ok, il est parti parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner malheureusement. Wow, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu me battre contre lui, juste pour le plaisir, pendant qu'il fait son fou. Mais on a sauvé l'univers et c'est tout ce qui compte! Oh mon dieu, je vais vous dire quelque chose. Les graphismes sont au max là. Vous l'avez vu? J'ai eu zéro problème à jouer avec cet ordinateur. C'est tellement puissant. Yo, c'est fou. Même dans le lobby, je vois une grosse différence. Moi, Iron Man, il est en train de briller comme un fou. Regardez ça. Si on change... oh, pardon. Les settings, les paramètres en français, pardon. On va les mettre comme ça. C'est avec ça que je joue d'habitude, là. Voilà. Voyez? Ça shine pas comme tout à l'heure. C'est pas aussi brillant. C'est crazy. Oh my god. Mais bon, les amis. Ça va être tout pour cette vidéo. Et on se voit la prochaine fois. Alors mes chers potos, j'espère que vous avez apprécié cette jolie démonstration sur cet ordinateur de fou. Yo, c'est la Lamborghini du gaming. C'est tellement rapide, c'est tellement puissant. On a joué avec les graphismes au max sur Fortnite. On n'a pas subi de lag, pas de ralentissement, rien du tout. C'était fluide au max, j'arrive pas à le croire. C'était la plus belle expérience Fortnite que j'ai vécue de ma vie, voyons donc. Alors je tiens à remercier Corsair et MSI de m'avoir envoyé cet ordinateur de fou pour que je puisse le tester avec vous. Et puis, oh, si vous avez d'autres produits comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais les tester pour vous, les amis. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Mais sur les réseaux sociaux, bla bla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.